La commande publique est un pan essentiel de l'activité économique du pays. Pour l'UGAP, elle est bien plus que cela. En sélectionnant des biens et des services utiles et efficients, la commande publique est un moteur de performance de nos services publics. En soutenant les PME et ETI françaises, elle est un levier de développement d'emplois et de talents dans les territoires. En donnant la priorité aux acteurs innovants et respectueux de l'environnement, elle est un instrument au service d'une économie plus compétitive et durable. Faire le choix d'un achat juste, c'est un acte d'intérêt général. Faire le choix de l'achat juste, c'est notre métier. Première centrale d'achat public de France, l'UGAP opère et met en œuvre depuis 50 ans, au travers de ses solutions et de plus d'un million de références produits, un achat au service des services publics. Pour conduire cette ambition, l'action de chacun au sein de l'UGAP est guidée par trois valeurs socles. Le sens du collectif, qui nous engage à apporter des réponses efficientes et durables aux besoins de la collectivité, en prenant en compte les spécificités et les attentes de chaque partie prenante. L'intégrité, essence d'un service public qui garantit la sécurité et la conformité de nos prestations tout au long de notre chaîne de valeur. L'inventivité, qui nous pousse à nous réinventer et faire progresser nos pratiques dans tous les domaines, au service de la satisfaction de nos clients. Ces valeurs s'incarnent chaque jour dans les façons d'être et de faire de nos équipes. Des comportements portés par toujours plus de respect de l'autre et des différences, d'ouverture d'esprit et de bienveillance. Des exigences et objectifs renforcés en matière de RSE, privilégiant toujours la réussite commune à l'intérêt individuel. C'est ainsi que les femmes et les hommes de l'UGAP œuvrent chaque jour au service de l'intérêt général, au service de la création de valeurs durables pour les acheteurs, les utilisateurs finaux, les fournisseurs et les prestataires, au service de l'achat juste.